Aujourd'hui, au Gym de la Peau, je vous propose une version revisitée où je reçois mes invités à distance. La personnalité du jour est une femme très inspirante qui nous a fait bouger pendant plus de 30 ans au Québec. On reçoit Josée Lavigueur. On est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Ça va super bien. Merci beaucoup de me recevoir. Dans cette nouvelle réalité à distance, ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de gym de la peau. Moi, je suis de la maison et toi, tu es aujourd'hui chez Dermapure à Montréal. Oui, des magnifiques locaux d'ailleurs. Josée, toi, tu es une inspiration pour les femmes du Québec et je dirais sûrement aussi pour les hommes avec toute ton implication au niveau de l'entraînement. Josée, tu nous parles souvent que c'est un privilège de vieillir et que c'est un défi de vieillir en santé et en beauté. C'est quoi le quotidien un peu de Josée Lavigueur pour être belle et en santé? Pour me sentir bien dans ma peau, pour me sentir bien dans ma tête, j'ai toujours d'abord une routine de visage. J'ai vraiment une routine et je dis pas ça parce que c'est toi. J'essaie d'avoir les bonnes habitudes. J'essaie, moi aussi, comme je le dis à tout le monde, hein, d'avoir de saines habitudes de vie. Je suis pas un modèle. Je pense que je mange très bien, mais je suis capable de faire des exceptions. Je suis capable d'avoir des moments où je me gâte un peu plus, où je fais des folies un peu plus. Mais je trouve ça important, tu vois, de commencer ma journée en me sentant bien. Donc, je fais cette routine-là pour la peau. Et habituellement, dans la journée, c'est sûr que je vais avoir au moins un 30 minutes d'exercice. Je trouve ça essentiel. Je le dis à tout le monde, alors je le fais moi aussi parce que j'y crois, parce que c'est une vérité que bouger, c'est la santé. Donc, je le fais depuis vraiment très, très longtemps. Aujourd'hui, Josée, on fait découvrir le soin Ultera. J'aime bien expliquer que le Ultera fait des petits points d'attache sous la peau pour venir vraiment resserrer la peau. C'est très, très efficace dans le bas du visage, qui est un défi pour tout le monde. Hein. On dort pas la tête en bas, donc souvent, la forme de notre visage change avec les années. Notre triangle de la beauté devient un peu plus masculin. Ça va chauffer un peu. Pour avoir des résultats, il faut aller déranger le collagène en profondeur pour que le corps veuille rebâtir dans la structure profonde. Ça va être très bien accompagné par une technicienne. Dermapure au Canada, on est ceux qui font le plus de soins Ultera. Donc, tu es en très, très bonne main à la clinique de Montréal. Comment tu te sens par rapport à ça? Je suis curieuse. J'aime découvrir les choses. Mais je suis un peu douillette, donc ça me fait peur un peu. Mais je pense que ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer, puis on peut monter et descendre l'intensité. On va t'offrir deux petites Tylenol avant le soin pour aller adoucir tout ça. On peut prendre des pauses, donc on n'est pas obligé d'aller rapidement pour faire ce soin-là. Donc, inquiète-toi pas, ça va bien se passer. Écoute, Josée, avant que tu te lances en soins, j'ai envie de parler de ta nouvelle création depuis 2018, qui est... une plateforme web pour s'entraîner. Ça s'appelle Ma Zone Fit. Oui, ça s'appelle Ma Zone Fit. C'est pour la maison et c'est aussi pour le bureau. En fait, c'est pour où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est 16 zones, donc c'est 16 disciplines d'entraînement différentes. Donc, tu as du pilates, tu as du tai chi, tu as du yoga, tu as du yoga sur chaise qui est très, très populaire en ce moment. On a même une zone pour les aînés, on a une zone pour les enfants, au grand public. Qui a envie de vieillir en santé, comme moi, parce que c'est mon but, hein, avec l'entraînement, avec les saines habitudes de vie. Entraîneur reconnu, 350 vidéos, toi à la tête de tout ça qui va valider que, en fait, le contenu est pertinent. Quelle leçon, Josée Lavigueur, sur le vidéo, on est très contents. Donc, et je me disais que peut-être pendant que tu fais ton soin, moi qui travaille à la maison toute la journée, peut-être que tu pourrais me donner quelques idées pour m'étirer et en fait sortir de ma posture sédentaire que j'ai à longueur de journée en travaillant de la maison. Mais c'est super important, je suis contente que tu en parles parce que le télétravail a plusieurs bons côtés, mais a un grand côté néfaste et c'est la sédentarité. Un des premiers exercices qu'on peut faire qui est accessible va grandir sur notre chaise en ouvrant les bras vers l'arrière. Donc, on veut ouvrir le sternum. Alors, ce qu'on peut faire, Marilyn, c'est on inspire ici, en avant, en arrondissant le dos, et on expire et on ouvre. Je t'en donne un autre tout de suite. Tu vas croiser une cheville juste au-dessus de ton genou.
vas enrouler ton genou avec le bras opposé, ok? Voilà, et tu vas tirer air le rosé. Donc, tu vas, avec ta tête, tu vas aller en torsion sans forcer, là. Tu ne veux pas tout arracher. Tu veux juste créer une petite torsion confortable. Évidemment, à ça, idéalement, on ajoute la respiration. Donc, reviens au centre, Marilyn, décroise les jambes. Inspire. Change de côté et expire en allant voir ce qui se passe derrière toi. Là, tu peux revenir au centre et ce qui est important, c'est de réaliser juste que pense qu'on m'appelle pour mon soin. C'est justement un exercice qui va te faire du bien parce que ça va détendre ces muscles qu'on avait souvent, les muscles du stress. Regarde, ce qu'on fait, c'est qu'on abaisse les épaules. Ici, je suis au nœud, j'exagère l'abaissement des épaules et je laisse tomber ma tête de côté. Là, je vais sentir un bon étirement sur le côté du cou et je vais soulever juste un peu mon bras pour aller allonger vers le bas. Donc, je pousse mon épaule vers le bas en gardant la tête très, très droite. Je peux fermer les yeux. Essayez de bien respirer dans cette position-là et très lentement, je vais passer en avant en gardant toujours le dos très, très droit. Je passe en avant. Je vais mettre la tête de l'autre côté. J'ai l'oreille vers l'épaule. Même chose, j'abaisse mon épaule opposée. Je relaxe complètement de l'autre côté. Je peux fermer les yeux pour quelques grandes inspirations. Passe en avant doucement, relâche tout au niveau des épaules. Fais un grand demi-cercle avec la tête. Et ramène la tête doucement au centre. Grande inspiration. Les épaules au bout de tous ces muscles qui sont toujours tendus. À cause de cette position-là, je pense que je dois y aller, Marilyn. Eh bien, ça a été de bons conseils. Je sentais vraiment que ça étirait là, profondément. Très beaux conseils pour toutes nos auditrices et auditeurs. Donc, merci de lancer la nouvelle version du Gym de la Peau. On va avoir d'autres invités au fil du temps, mais de commencer avec toi, qui est très axé santé globale, c'est un plaisir. Et je suis certaine que ton soin va bien se passer. On donne des nouvelles très bientôt. Merci beaucoup, Marilyn. Merci, puis j'invite tout le monde à aller voir mazonefit.com pour un entraînement où vous voulez, quand vous voulez, avec l'équipe de José Lavigueur. Merci tout le monde. Merci.